People speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. Mon Dieu. And be able to say a few things in French yourself. Robert and Mireille are sharing stories about people they know who have ended up not doing quite what they had originally planned. As they muse about the twists and turns of fate, Mireille wants to know what Robert intends to do. Invite her for a drink, that's what. Il est 10h30 dans le jardin du Luxembourg, à Paris. Sur un banc vert, deux jeunes gens parlent. Ce sont sans doute des étudiants. Oui, la jeune fille est étudiante. Elle s'appelle Mireille Bello. Elle est à la fac depuis un an. Elle fait de l'histoire de l'art. Le bateau, ah non, 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 il n'est pas à elle, non. C'est le bateau de sa petite sœur, Marie-Laure. Marie-Laure jouait avec son bateau et puis elle est tombée dans le bassin. Alors elle est allée se changer chez elle. Elle habite tout près, juste en face, de l'autre côté de la rue. Non, on ne sait jamais comment les choses vont tourner. Tenez, j'avais un ami aux États-Unis qui adorait le violon. Il jouait merveilleusement bien, un vrai virtuose. Il rêvait de donner des concerts dans toutes les grandes villes du monde. Eh bien, vous savez ce qu'il fait maintenant ? Il n'est pas violoniste du tout. Il fait de la saucisse aux abattoirs de Chicago. C'est comme la sœur de mon amie Guylaine. Elle voulait être pianiste et en fin de compte, elle travaille dans le bureau de son papa comme dactylo. C'est encore toi ? Qu'est-ce que tu viens faire ? Je te dérange ? Arrête, tu m'agaces et laisse ce banc tranquille. Bah quoi ? C'est un banc public, non ? Il n'est pas à toi ce banc. Il est à tout le monde. C'est un banc public, banc public, banc public. C'est un banc public dans un jardin public. Et le jardin appartient à l'État et le banc aussi. Donc ils sont à moi autant qu'à toi. Na. Eh bien voilà une jeune fille qui va sûrement être avocate. Ou au Conseil d'État. Et va défendre les intérêts de la société et de l'État. Avocate, non. Être toujours debout, faire de grands gestes, crier, c'est fatigant. Le Conseil d'État, bof. Le Sénat. Peut-être. C'est presque en face de la maison. C'est pratique. Pas de métro pour aller au boulot. Mais la politique, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux faire, alors ? Je sais pas. Peut-être plombier. Plombier ? Pourquoi ? Les tuyaux, les robinets, ça t'intéresse ? Oui, j'aime bien jouer avec l'eau. Et puis papa dit que les plombiers gagnent plus que lui. Puis quand on est plombier, on travaille quand on veut. Si un client vous appelle et qu'on n'a pas envie d'aller travailler, eh bien on reste chez soi. Tandis que si on veut être ingénieur ou dans un ministère, il faut aller travailler tous les jours, même si on n'a pas envie. Dans la vie, on ne fait jamais ce qu'on veut. Tenez, mon papa, quand il était jeune, il voulait être ma sœur. Pas Mireille, parce que Mireille, c'est ma sœur, oui. Mais c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire ma sœur comme ça. Bah, c'est les gens, pour ceux qui ont mal au dos. Eh bien, mon papa, il avait les mains froides. Alors, quand on a les mains froides, on ne peut pas réussir comme ma sœur. Les clients ne supportent pas ça. Alors maintenant, ils fabriquent des autos parce que les autos supportent très bien les mains froides. Remarquez que ça n'empêche pas mon père d'être un homme très chaleureux. Mains froides, cœur chaud, comme on dit. On dit ça ? Oui, ça se dit. Du moins, tante Jean-Jacques le dit. Et grand-mère aussi. Moi, mon père voulait devenir athlète professionnel. Ou bien boxeur ou joueur de football. Maintenant, il est vice-président d'une grande banque internationale. Le sport mène à tout. Et tous les chemins mènent à Rome, comme dit ma tante Georgette. On parle toujours dans la famille d'un ami qui était sûr de voir un jour son fils ambassadeur. Et maintenant, le fils en question est représentant d'une maison de jouets. Mon beau-frère, Jean-Denis, le mari de ma sœur Cécile, voulait être routier pour conduire des camions énormes. Un de ces 20 tonnes avec 9 ou 10 paires de pneus qui filent à toute vitesse dans un nuage de gasoil. Eh bien, vous savez ce qu'il fait à présent ? Il dessine des bijoux chez un bijoutier de la place Vendôme. Moi, j'ai un ami qui, dans sa jeunesse, voulait se faire prêtre. Seulement, depuis l'année dernière, il ne croit plus en Dieu.
C'est un problème pour quelqu'un qui veut être prêtre. Alors, il vient d'entrer dans une grande compagnie d'assurance, la Providence. Ben moi, tous mes amis veulent faire du cinéma. Et ils se prennent tous pour des Fellini, Kurosawa ou des Truffaut. Ils sont des illusions. Peut-être, mais on ne sait jamais. De toute façon, faire du cinéma, c'est quand même plus intéressant que d'être dans l'industrie, l'agriculture, le commerce, les affaires, la magistrature, l'armée ou l'enseignement. Ouais, c'est vrai, mais tout le monde ne peut pas faire du cinéma ou de la télévision. Il en faut des industriels, des agriculteurs, des commerçants, des femmes et des hommes d'affaires, des magistrats, des enseignants, même des militaires. Des cinéastes et des vidéastes aussi, il en faut. L'ennui avec le cinéma, c'est que même avec beaucoup de talent, on n'est jamais sûr de réussir. Ah ça, on ne peut jamais être sûr de rien. On ne sait jamais ce qui va se passer. Mais ça ne fait rien. Dites-moi quand même ce que vous allez faire. Moi ? Vous voulez vraiment le savoir ? Eh bien, je crois que je vais vous inviter à prendre quelque chose à la terrasse de la Closerie des Lilas. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Ben, je crois que j'ai accepté. Et moi, je peux venir ? Mais tu es encore là, toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu sais tes leçons pour demain ? Ouais. Et tu as fait tes devoirs ? Ouais. Et tu les as finis ? Presque. Alors va les finir, tout de suite. Oh, est-ce que tu peux être embêtante, toi ? Puisque vous êtes américain, vous devez savoir l'anglais ? Oui, un peu. Vous pouvez pas m'aider pour mon devoir d'anglais ? Peut-être. Alors, cet après-midi, à 2h, ici, ok ? Mireille et Robert sont toujours au Luxembourg. Ils parlent d'un ami de Robert qui jouait du violon et qui voulait devenir violoniste professionnel. Et d'une amie de Mireille qui jouait du piano et qui voulait devenir pianiste professionnel. Si on joue très bien du piano, on peut devenir pianiste. Si on joue très bien du violon, on peut devenir violoniste. Si on joue très bien de la clarinette, on peut devenir clarinettiste. Si on joue très bien de la trompette, on peut devenir trompettiste. L'ami de Robert rêvait de donner de grands concerts. C'était son rêve. Un rêve. La petite fille rêve. Regardez Marie-Laure ici. Elle rêve. Du jus d'orange. Oh, pardon. Merci. Elle rêve. Elle rêve. En général, on rêve quand on dort. Faites beau rêve. L'ami de Robert rêvait de donner de grands concerts. Mais on ne sait jamais comment les choses vont tourner. Aujourd'hui, il ne donne pas de concerts. Il travaille à Chicago, aux abattoirs. Parce qu'à Chicago, il y a deux spécialités. De grands abattoirs et... Qu'est-ce qu'il y a encore à Chicago ? Du vent. Ah oui, du vent, oui. Ça doit être une idée américaine. Pour les Français, il y a deux choses à Chicago. Des abattoirs et des gangsters. À Chicago, il y a des abattoirs et des gangsters. Qu'est-ce qu'il y a à Chicago ? Il y a des gangsters et des abattoirs. Vous voyez ? Qu'est-ce que je vous disais ? Et à New York, qu'est-ce qu'il y a ? Des gratte-ciel. Et voilà, à New York, il y a des gratte-ciel. Et à Londres, du brouillard. Et à Paris ? À Paris, la Tour Eiffel et les Folies Bergères. Et voilà comment on fait la géographie. Bon, pour en revenir à l'ami de Robert, il travaille aux abattoirs de Chicago. Il fait de la saucisse. Ça, c'est de la saucisse fraîche. Ça, ce sont des saucisses sèches.
une saucisse sèche, deux saucisses sèches, trois saucisses sèches, quatre saucisses sèches, cinq saucisses sèches, six saucisses sèches. Vous pouvez dire ça, vous ? Six saucisses sèches ? Six saucisses sèches. Bon, l'ami de Robert, qui voulait être violoniste, fait de la saucisse. Et l'ami de Mireille, qui voulait être pianiste, est dactylo. Elle est dactylo, elle fait du traitement de texte. En fin de compte, elle n'est pas pianiste, en fin de compte, elle est dactylo. Voyons celui-ci. En fin de compte, je crois que c'est celui-ci que je préfère. Mireille et Robert sont bien tranquilles sur leur banc. Et voilà Marie-Laure qui vient les déranger. C'est encore toi? Qu'est-ce que tu viens faire? Je te dérange? Bien sûr qu'elle la dérange. Jean-Pierre Landru, je vous dérange? Non, pas du tout. Je te dérange pas? Mais non. Ça ne vous dérange pas si je travaille là? Non, non, ça ne me dérange pas. Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? Mais non, vous ne me dérangez pas. Marie-Laure est embêtante. On n'est jamais tranquille avec elle. Vous êtes en train de parler tranquillement avec un ami au Luxembourg, et pouf, elle tombe dans le bassin. Oh là là! Mais on n'est jamais tranquille! Regardez-la ici encore. Elle ne laisse jamais sa sœur tranquille. Arrête! Arrête, Marie-Laure! Oh là là, mais on n'est jamais tranquille! Non, on n'est jamais tranquille. Arrête, tu m'agaces et laisse ce banc tranquille. Bah quoi? C'est à tout le monde ce banc, c'est un banc public, non? Il n'est pas à toi. C'est un banc public, un banc public, un banc public. C'est un banc public dans un jardin public. Et le jardin appartient à l'État et les bancs aussi. Le banc appartient à l'État. Il est à tout le monde. Il appartient à Marie-Laure, aussi bien qu'à Mireille ou à Tante Georgette. Regardez Marie-Laure, elle tient un bateau. À qui est le bateau? À elle, c'est son bateau. Le bateau lui appartient. Ici, elle tient Fido, mais Fido ne lui appartient pas. Il n'est pas à elle. Fido appartient à Tante Georgette. Marie-Laure va peut-être devenir avocate. Avocate, moi? Non. Toujours être debout, crier, faire de grands gestes, c'est fatigant. Les juges sont assis, mais les avocats sont debout. Alors vous travaillez debout alors? Comme moi. Vous travaillez debout aussi. Vous êtes infirmière, je parie. Ah bon? Je pensais pourtant que... Ben non. Remarquez, il n'y a pas que les infirmières qui sont debout, hein. Les avocats sont debout et ils font de grands gestes. Jean-Claude, de grands gestes, s'il te plaît. Le Conseil d'État, bof. Le Sénat. Le Sénat, oui. Ça intéresse Marie-Laure. Elle habite presque en face. C'est pratique pour aller au travail, au boulot. Pas besoin de prendre le métro. Parce que l'ennui, quand on travaille à Paris, c'est qu'il faut prendre le métro pour aller au boulot. On passe tout son temps dans le métro. Et puis, au boulot, au travail. Cet ouvrier-là est au boulot. Et là, Marie-Laure est au dodo, au lit. Métro, boulot, dodo. Le Sénat, ce ne serait pas mal. Mais la politique, ça n'intéresse pas Marie-Laure. La politique, ça ne m'intéresse pas. Plombier, oui, ça intéresse Marie-Laure. C'est un bon métier. On joue avec des tuyaux, avec les robinets. On gagne bien, on gagne beaucoup d'argent. Si on a envie de travailler, on travaille. Si on n'a pas envie de travailler, on ne travaille pas. On reste chez soi et on fait la sieste. Regardez les bélos ici. Ils sont chez eux. Tante Georgette... Ici, elle est chez elle.
Ce monsieur est chez lui. Ils sont chez eux. Elle est chez elle. Il est chez lui. On est chez soi. Monsieur Bello voulait être masseur pour masser les gens qui ont mal au dos. Une femme qui fait des massages, c'est une masseuse. Et un homme qui fait des massages, c'est un masseur. Et une dame qui a les mêmes parents que moi, c'est ma sœur. Ça, c'est ma sœur. Ma sœur, un masseur. Est-ce que M. Bello est ma sœur? Non. Il est ingénieur chez Renault. Il fabrique des autos. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il avait toujours les mains froides. Et les clients des masseurs n'aiment pas les mains froides. Regardez cette femme. Elle n'aime pas les mains froides non plus. Ça va pas, non? Les clients des masseurs n'aiment pas les mains froides. Ils ne supportent pas ça. Et Mireille ne supporte pas les chatouilles. Regardez. Arrête, je ne supporte pas les chatouilles. Les clients des masseurs ne supportent pas les mains froides. Alors, forcément, on ne peut pas réussir comme masseur si on a les mains froides. On ne peut pas réussir. Voilà quelqu'un qui a réussi. Et voilà quelqu'un qui n'a pas réussi. Regardez Robert ici. Il essaie, mais il ne réussit pas. Et ça, vous savez le dire? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse. Il essaie, mais il ne réussit pas. Réussir, je réussis, tu réussis, il réussit. Nous réussissons, vous réussissez, elles réussissent. Monsieur Bello avait toujours les mains froides. Alors, hein, forcément, on ne peut pas réussir comme ma sœur si on a les mains froides. Regardez, Madame Bello trouve que Marie-Laure a l'air fatiguée. Forcément, ce n'est pas étonnant, c'est forcé. Elle travaille tout le temps. T'as l'air fatiguée. Bah, forcément, je passe mes nuits à faire des devoirs. C'est forcé que j'ai l'air fatiguée. Monsieur Bello a les mains froides, mais il a le cœur chaud. Il est chaleureux, cordial. Monsieur Bello a les mains froides, mais ça ne l'empêche pas d'être très chaleureux. Ça ne l'empêche pas. Regardez Marie-Laure ici. Elle empêche Mireille de travailler. Il était un petit... Arrête, tu m'empêches de travailler. Va faire tes devoirs. J'ai mal à la gorge. Ça ne t'empêche pas de faire tes devoirs. Elle a peut-être mal à la gorge, mais elle peut faire ses devoirs quand même. Mireille est petite, elle a l'air fragile, mais ça ne l'empêche pas d'être très sportive, très costaud. Le père de Robert voulait être athlète professionnel. Il est vice-président d'une banque. Le sport mène à tout, et tous les chemins mènent à Rome. Un chemin qui mène à Rome. Un autre chemin qui mène à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Rome, en Italie. Le mari de Cécile voulait être routier. Les routiers conduisent les camions. Un camion de 4 ou 5 tonnes. Un gros camion de 10 ou 20 tonnes. Avec 9 ou 10 paires de pneus. Un pneu, des pneus. Mais le mari de Cécile n'est pas routier. Il ne conduit pas d'énormes camions, non. En fin de compte, il travaille chez un bijoutier. Il dessine des bijoux. Il invente des bijoux. Il crée des bijoux. Il travaille chez un bijoutier de la place Vendôme, où il y a des bijoutiers très chics. Moi, j'ai un ami qui, dans sa jeunesse, voulait se faire prêtre. Il voulait être prêtre quand il était jeune, dans sa jeunesse. L'ennui, le problème, c'est qu'il ne croit plus en Dieu.
Regardez cette femme. Elle croyait en Dieu, et maintenant, elle ne croit plus en Dieu. Elle croyait en Dieu, elle ne croit plus en Dieu. Elle croyait, elle ne croit plus. L'ami de Robert ne croit plus en Dieu. Il ne croit plus. Alors maintenant, il est agent d'assurance. Il travaille pour une compagnie d'assurance. Il vend des assurances contre l'incendie, le vol, les accidents. Sa compagnie d'assurance s'appelle la Providence. Tous les amis de Mireille veulent faire du cinéma. Ils se prennent pour de grands cinéastes. Ils croient qu'ils sont de grands cinéastes. Mais ils se font des illusions. Regardez Marie-Laure ici. Elle se fait des illusions, elle aussi. Elle croit que Mireille va lui faire son problème. Regarde, je ne sais pas faire mon problème. Si tu crois que je vais faire ton problème, tu te fais des illusions. Oh là là, t'es pas sympa. T'es pas chic, hein. Tout le monde se fait des illusions. On croit qu'on va être un grand violoniste, et puis on fait de la saucisse aux abattoirs de Chicago. Remarquez que tout le monde ne peut pas être violoniste ou cinéaste. Il faut aussi des industriels, des agriculteurs, des commerçants, des hommes et des femmes d'affaires, des magistrats, des enseignants, des militaires. Lui, il est dans l'armée. C'est un militaire. Et lui, il fait du cinéma. Il est dans le cinéma. C'est un cinéaste. L'ennui avec le cinéma, c'est que même avec du talent, on n'est jamais sûr de réussir. C'est ça l'ennui, c'est ça le problème. Tenez, observez Marie-Laure qui veut acheter des boules de gomme. J'ai envie d'aller acheter des boules de gomme. Ben vas-y. L'ennui, c'est que je n'ai pas d'argent. Si tu crois que je vais te donner de l'argent pour aller acheter tes boules de gomme, tu te fais des illusions. Avec le cinéma, l'ennui, c'est qu'on n'est jamais sûr de réussir. On n'est jamais sûr de rien. On croit qu'on va être prêtre, et puis on devient agent d'assurance. Mireille est bien d'accord. Elle sait qu'on n'est jamais sûr de rien. Oh ça, on ne peut jamais être sûr de rien. On ne sait jamais ce qui va se passer. Mais ça ne fait rien. Dites-moi quand même ce que vous allez faire, vous. Vous savez ce que Robert va faire? Eh bien, il va inviter Mireille à prendre quelque chose à la closerie des Lilas. Voilà Robert et Mireille qui prennent quelque chose à la closerie des Lilas. Ils boivent quelque chose. Tu veux prendre quelque chose? Marie-Laure aussi veut aller prendre quelque chose à la closerie des Lilas. Et moi, je peux venir? Maintenant, vous allez parler. Écoutez ce dialogue entre Mireille et Marie-Laure. Et moi, je peux venir? Tu sais tes leçons pour demain? Ouais. Et tu as fait tes devoirs? Ouais. Et tu les as finis? Presque. À vous maintenant. Vous êtes Mireille. Et moi, je peux venir? Tu sais tes leçons pour demain? Tu sais tes leçons pour demain? Tu sais tes leçons pour demain? Ouais. Et tu as fait tes devoirs? Et tu as fait tes devoirs? Et tu as fait tes devoirs? Ouais. Et tu les as finis? Et tu les as finis? Et tu les as finis? Presque. Alors va les finir tout de suite. L'ennui, pour Marie-Laure, c'est qu'il y a toujours des leçons à apprendre, des devoirs à faire. Ouf, j'ai fini. Tu as fait tous tes devoirs? Oui. Toujours des devoirs, toujours des leçons. Elle n'est jamais sûre de savoir ses leçons. Tu sais tes leçons pour demain? Ouais. Tu sais tes leçons? Oui. Tu les sais? Tu es sûr? Observez. Marie-Laure sait ses leçons. Elle sait combien font 8 fois 8. 8 fois 8, 64. Elle ne sait pas qui est Bruce. Qui c'est ce Bruce? Elle sait sauter à la corde. C'est le verbe savoir. Elle sait ses leçons. Connaître? Elle connaît Robert. Elle connaît Colette. Elle connaît le quartier latin. Elle connaît la Bretagne. Elle ne connaît pas Bruce. Elle ne sait pas qui c'est. Elle ne sait pas quel âge il a. Elle ne sait pas où il habite. Voyons si vous vous souvenez de quelques professions. Ce monsieur qui joue de la trompette, c'est un...
trompettiste. Et ça, c'est une avocate. Ça, ce sont des magistrats, des juges. Et ça, c'est un masseur. Ça, c'est un plombier. Et lui, routier, c'est un routier. Et ce monsieur qui fait du cinéma, c'est un cinéaste. Le cinéma, c'est très bien, c'est très intéressant, mais l'ennui avec le cinéma, c'est qu'on n'est jamais sûr de... On n'est jamais sûr de réussir, même si on a du talent. Vous savez comment ça s'écrit, talent? Avec un T à la fin ou un D? Moi, j'ai du talent. Je vais être cinéaste. Vous, du talent? Mais oui, monsieur Guignol, j'ai du talent. J'ai beaucoup de talent et je vais être cinéaste. Je suis sûr de réussir comme cinéaste. Mais non, monsieur Robert, vous ne pouvez pas réussir comme cinéaste. Vous n'avez pas assez de talent. Alors, je vais être avocat. Mais non, monsieur Robert, vous ne parlez pas assez bien. Mais si, je suis sûr de réussir comme avocat. Mais non, vous ne pouvez pas réussir comme avocat. Mais si. Mais non. On n'est jamais sûr de réussir. On n'est jamais sûr de rien, non. On ne peut jamais être sûr de rien.